Oui, bonjour les amis. En fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce diagramme, ce graphique en barre dynamique, et je vais vous montrer les étapes de 1 à Z, comment le construire. Sans toutefois tarder, ce diagramme est dynamique. Bon, quand vous voyez ici, ça commence en 2000, il n'y a pas les données pour 2016, 2014, 2000. Mais ça commence à partir de cette donnée. Donc, vous voyez, le diagramme est dynamique à partir de. Et donc, on voit comment ça bouge, comment ça bouge, comment ça bouge. Donc, je vais vous montrer comment on peut le construire rapidement, mais en utilisant les données provenant d'une source web. Et je vais vous montrer les étapes à suivre jusqu'à la création de ce beau. Simple tableau de bord. Merci. Suivez-moi à la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons importer les données directement vers d'une source qui est en ligne. Et nous allons utiliser les données de la Banque mondiale. Donc, on va utiliser les personal remittances ici. Donc, c'est les transferts personnels. Et les transferts de rémunération des employés. Donc, ces données-là, on va le pouler directement dans notre dashboard. Et lorsque les données de la Banque mondiale vont changer pour 2022 ou 2023, 2024, notre dashboard va être automatiquement à jour. Ici, les données sont de 2000 à 2020. Et les données sont là. Donc, et pour le faire, on va dans l'onglet Download, on clique là et puis on sélectionne copie le lien, copie l'adresse du lien. On copie. Quand on copie l'adresse du lien, on vient ici, on va dans Data, données, importer les données d'une source externe du web. Quand on prend les données, importer les données du web, on copie et puis on dit OK. Tout est beau. Donc, on sélectionne les données qu'on veut transférer. Et ici, je veux transférer seulement les données là. Je clique Données. C'est celui-ci que je veux transférer parce que les deux autres, je n'ai pas besoin pour le moment. Donc, je fais Transformer. Dans ces données-là, j'ai vu que ici, vous voyez les données là. Vous voyez que le nom de la variable commence par partir de la troisième ligne. Donc, je vais supprimer les deux premières lignes. Donc, je fais Remove, Top Row. Et puis, je vais mettre 2. Et puis, je dis OK. Donc, après, je vais prendre la première ligne comme le nom des colonnes. Je vais dans Transformer. Je fais Use the First Row as Header. Donc, Use la première ligne comme en tête ou nom des colonnes. Donc, ici, je veux transposer les données. Donc, pour transposer, je fais contrôle, je clique sur la variable et puis je fais Shift. Je maintiens Shift ici. Donc, en maintenant Shift là-bas et puis, qu'est-ce que je fais? Je viens vous allez voir en pivot colonne, c'est colonne non pivotable. Donc, je vais ici et sélectionner. Et non pivoter seulement, ne pas pivoter seulement les colonnes sélectionnées. Donc, je vais prendre ça, qui va me faire ça, et puis je transforme ces données en roll number, et puis je vais nommer ça year. OK. Donc, tout est beau. Donc, je peux aller dans Home et puis Load. Là, je ne veux pas que les données soient dans mon fichier Excel parce que ça va rendre lourd mes données. Donc, je veux que les données soient en ligne. Donc, je fais Add to Model, Create Connection Only. Maintenant, pour pouvoir continuer, comme les données sont dans. On peut aller détecter s'il y a des relations, il n'y a pas de relations. OK. On vient ici, on insère. C'est la première, bon, pour résumer, c'est la première étape.
Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Je vais insérer un tableau croisé dynamique provenant du modèle. Les données sont du modèle. Et puis, je vais mettre ici, je vous rappelle que j'ai mis les pays que je veux avoir la visualisation. Moi, je vais me concentrer sur les pays d'Afrique. Donc, je prends les pays d'Afrique comme référence. Donc, je définis comme ça, je définis l'année et puis les valeurs et le nom. Ici, il va me dire établir, créer la relation. Donc, je vais créer une relation donnée. Données, quelles sont la clé, c'est le nom du pays. L'autre donnée, quelle a créé plus ou moins celui-ci. Donc, je dis c'est OK. Alors, je peux créer sur manage les relationships ou je peux close ou je peux refaire la même chose. Donc, tu peux aller dans manage relationship et tu add les colonnes et puis tu fais la même chose. Donc, ici, c'est là ce que je fais. Donc, je fais country name et puis je fais good. Tout est beau. Je fais close. Donc, ici, j'ai les données que j'ai. Il va me définir les relations. Donc, après, je peux mettre le nom des indicateurs qui est beau. Donc, ici seulement, il va m'afficher les pays, tous les pays de l'Afrique que j'ai dans ma base de données. Donc, il va m'afficher et puis les blancs qui va rester ici, parce que vous allez voir, c'est seulement tous les pays d'Afrique qui l'a affiché. Et les blancs, c'est les données qui ne sont pas été connectées, qui n'ont pas été connectées. Donc, on ne s'intéresse pas à ces données. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai défini les années, les références que je vais utiliser dans mon graphique. Ici, c'est l'année minimum, l'année maximum, l'année courant, le top. Donc, je veux les définir. Je vais définir un nom pour ces. Donc, tu viens pour définir. Je veux que cette colonne prenne le nom. Celui prenne le nom de ça. Ceci prend le nom de ça. Ceci prend le nom de ça. Donc, je sélectionne les deux. Je dis create from left. Good. OK, tout est créé. Donc, je viens ici, je veux mettre les valeurs. Dans ce tableau Afrique-là, je veux mettre les valeurs de ce tableau de bord. Je vais essayer de formater ça dans Design. Je prends Layout Tabulation. OK, good. Donc, je n'ai pas besoin du total. Je vais sur Remove Total. OK. Tout est beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser la fonction get data, getPivotableData, data, donc ici où lire les données de tableau croisé dynamique. Donc ici, je vais le lire ici. Comme vous voyez, quand je lis automatiquement, tout est, comment on appelle, toutes les données ne sont pas correctes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux voir la formule, comment la formule fonctionne. Donc, j'ai vu que dans cette formule, j'ai la variable Afrique Country. Il prend Afrique Country, Algérie. Donc, moi, je ne veux pas cette colonne. Je veux définir ça de cette façon. Après, il prend la variable et puis celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Dans ce cas, pour le Afrique Country, je vais m'assurer de copier correctement jusqu'à le et commercial ici. Je vais le déposer quelque part ici. Après, je m'en vais encore. Je vois le data, je copie et très bien jusqu'à e-commercial. Je vais déposer là-bas. Maintenant, je vais essayer de répliquer les mêmes formules ici. Donc, pour répliquer la même formule, je vais supprimer celui-ci. Je prends ça, concaténer. Avec les données qui sont ici. OK. Donc, au niveau de année, je fais la même chose. Je supprime ça.
Je prends ça, je l'ai volé. Ici, je fais F3. Je vais utiliser l'année courante. Quand je fais F3, le nom des cellules qui sont définies à bien, je prends ça. Et puis, je fais la même chose. Donc, je fais entrée. Je fais entrée. J'ai pas mis de données dans ces choses-là. OK. C'est pour cela qu'il n'y a pas ça. Je définis mon année minimale. Le min. Je mets ça et mon masse. J'ai mis ça. Et puis l'année courante, je vais prendre 2010. Et le top, je prends les 20 premiers. Donc, quand je fais ça, j'ai les données dans ça. J'ai les données qui apparaissent. Maintenant, pour éviter les erreurs, quand ils ne trouvent pas la recherche, je vais faire si erreur ou if error. Si erreur ou if error. Donc, si erreur de me donner blank. Donc, il va me donner blank et si erreur. Donc, il ne trouve pas le pays, il va le mettre blank. OK. Maintenant, ici aussi, si. Maintenant, la deuxième étape de notre analyse, nous, on veut faire un graphique qui bouge quand on sélectionne l'année bouge. Donc, et on veut pas, on veut le rendre dynamique. Quand on clique sur un bouton, tous les barres bougent. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Donc, la deuxième étape de ce traitement, c'est de filtrer les informations d'ici selon un critère donné. Donc, je vais prendre les 20 premières observations en termes de remittance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais filtre et puis je filtre le tableau. Je filtre lui-là. Et puis, la condition, c'est que je veux que les données ici, les données que j'ai là-bas, soient supérieures ou égales au large. Pour faire le top, les 20 premiers, tout cela, on utilise la fonction large. La fonction large, je veux que large de celui-ci, je définis la colonne que je veux que le large fonctionne, le large de celui-ci, et puis je prends les 20 premiers. Les 20 premiers, je fais aussi F3, je prends top. Top va venir, et puis je ferme. Quand je ferme ma fonction, et puis je ferme, quand je fais comme ça, il me sort les informations. Mais je veux que ces informations soient triées. Je veux que ces informations soient triées par, comment on appelle? Comment on appelle? Je veux trier ces informations par ordre croissant. Donc, par ordre croissant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ici. Je fais sorte. OK, je fais sorte, je fais deuxième, je trie par la deuxième colonne de ça et puis je veux valeur ascendant ou descendant, je prends celui-ci. OK, non, on va prendre moins un. Ce qui est bizarre. Notre fonction tri pose un problème ici parce que il va traiter par exemple, allons voir Côte d'Ivoire ici, Côte d'Ivoire dans notre Côte d'Ivoire, il va traiter les blancs là comme un truc infini. Donc, pour ne pas faire comme ça, on va le mettre à moins 1 pour qu'il va le traiter comme
Mais on peut aussi mettre une condition ici. On veut trier, filtrer celui-ci et on peut mettre la condition si c'est différent de blanc. Donc, on peut mettre une condition ici pour que ces anomalies n'apparaissent pas. Donc, faut que la valeur ici et la valeur celui-ci soit différent de ça. OK. Donc là, on a résolu notre problème que la valeur, on enlève les pays qui n'ont pas de données dans ça, parce qu'ils traitent le blanc comme une valeur très grande. C'est pour cela que c'est dedans dans la fonction. Donc, on fait un tri des pays selon le critère suivant. Donc, on récapitule. D'abord, je fais le filtre de la table là. Si les valeurs de cette colonne est supérieure, je prends la 20e observation en termes de données. Je dis que si les données sont supérieures à la 20e observation. Et après, je ne veux pas que s'il y a les blancs là, comme Sao Tomé blanc, et puis Côte d'Ivoire ici blanc, je ne veux pas que blanc soit considéré dans mon truc parce qu'il peut prendre blanco comme les valeurs très infinies. Donc, il considère blanc comme valeur infinie. Donc, je veux le mettre hors de ça. Moi, je veux le trier par ordre croissant ou décroissant. Je peux prendre par ordre croissant. Ça, c'est décroissant, par ordre croissant et par ordre décroissant. Donc, on va prendre comme ça. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi je veux faire par ordre croissant. OK. Donc, ici, je peux mettre country et puis je peux mettre value. OK. Je peux mettre value, soit je prends la valeur de l'indicateur qui est ici, là. Je peux le faire comme ça. Puis je prends la valeur de l'indicateur qui est ici, je le mets ici. Très simple, hein? Très simple. OK. Bon. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, on a importé les données. On l'a traitée de cette façon. Et la dernière étape, la troisième étape, on va faire le graphique. Le graphique ici, on va prendre un diagramme en bas comme ça. On va le mettre de cette façon. On supprime. On définit. On va essayer de bien définir pour que ici, je vais essayer de bien définir. Ici, on peut essayer de voir. Quel est le maximum, la valeur maximum est le maximum dans le masse dans ça. Ça fait en fait 10 puissance 14. Donc, 10 puissance 14, hein, quelque chose 10 puissance 14. Donc, on peut aller ici, aller au niveau de ça. Essayer de formater. Je prends 10 puissance 14. 14 et puis je peux faire 1, 2, puissance 14. Vous allez voir pourquoi j'ai défini comme ça. Quand on fait 10 puissance 14, ça part. Oui, ça part, ça part, ça part, ça part. Bon, ça va. On va garder ça comme ça. C'est pas grave. On reset cette façon. Non. On essaie de cette façon. On va garder ça de cette façon. Ce n'est pas grave. Donc, généralement, pourquoi je veux nommer cette colonne? Parce que je veux voir comment se comporte par la valeur maximum ici. Et puis, je veux figer les valeurs, mais il va évoluer selon la valeur maximum. C'est beau. C'est beau comme ça. Donc, on va effacer celui-ci. Après tout, on va dans format. Format, je prends nos filtres, nos outliers. Après, le titre,
je peux essayer de concaténer le titre ici. Je vais prendre le titre et puis je le concatène avec un caractère 10. Caractère 10, c'est que je veux faire un renvoi à la ligne dans une zone de test. En fait, caractère 10, ça me renvoie à la ligne. Et puis, setting, je fais courant. Et puis, c'est bon. Donc, ici, je définis égal. Et puis, je prends ça. Et puis, c'est beau. Je peux essayer de définir un peu ça. Et puis, c'est beau. Donc, je peux aussi essayer de diminuer le range. Je vais prendre le gap. Je prends ça. Essayer d'augmenter un peu pour que ça soit visible. Je vais détacher un peu le label de ça. Je peux prendre 200. OK, good. Donc, je vais encore un peu essayer de rendre un peu ça joli. Venir effet shadow, on prend ça. On peut aussi définir dans le fil, utiliser les various color points. On peut utiliser ça. Définir la même chose, je pense que le shadow. OK. Et puis là, je peux afficher mon label. Là, je peux configurer mon label de cette façon et c'est aller ici quand je change pour que j'ai OK. Mettre en gras pour que ça soit un peu visible. OK. Mettre ça en gras pour que ça soit visible. OK, good. Donc, on a déjà fait notre graphique. Notre graphique, on l'a fait. On l'a fait. On va essayer de déplacer. Déplaçons ça ici. Vous allez voir. La dynamique vient d'ici. Pour le moment, on a fait notre graphique, mais ce n'est pas dynamique. Donc, la dynamique vient ici, 2011. Je prends 2011, 2016. Ça change. Mais qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut rendre ça vraiment dynamique. Donc, je copie ça, je copie mon tableau, mon truc, je définis, je mets dans mon dashboard, là où je veux suivre l'évolution dynamique. OK. Donc, l'évolution dynamique, qu'est-ce que nous, on veut faire? On va insérer une icône. Une icône, dans l'icône, je prends icône stats. J'insère l'icône stats. Je peux couper ça là. L'icône stats, je peux le mettre un peu en retrait ici et essayer de diminuer. OK. Et puis, je peux mettre aussi dans l'objet développeur, développer. Si vous n'avez pas développé dans votre Excel, vous pouvez aller dans Options, Options et puis personnaliser. Personnaliser, puis vous allez voir développer ici, développeur, et puis vous cochez la case développeur, et puis vous aurez développeur. Donc, nous, ici, on va essayer de le mettre, de formater en bleu marine. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire aussi? On veut ajouter dans l'objet développeur, je vais ajouter celui-ci, le scroller. Le scroller va me permettre soit de scroller les données, je peux scroller, ou soit changer ici. Donc, le scroller, on peut formater le scroller. Si je veux avoir, pour formater le scroller, je peux aller faire, comment on appelle, propriété. OK, non, non. Je fais propriété. Dans propriété ici, si je veux voir exactement la couleur qui est ici, qu'est-ce que je fais? Bleu marine. Je fais ici, je veux voir la couleur qui est là-bas, dans bleu marine. Je viens ici et je prends ça. Bon, on va essayer de mettre bleu marine là-bas. Et puis, on revient ici. On prend ça et puis on va voir.
Le rouge, c'est 0. Green, vous allez voir ici le customize, ça fait red, red, green, blue. Donc le rouge, c'est 0. Le vert, c'est 32 et 96. Donc, 0, 32, 96. 0, 32, 96. Donc, pour 0, 32, 96, je m'en vais ici. Je vais dans Visual Basic. Je veux voir la couleur qui est affichée à ça. Donc, je viens ici, View, Prompts, et puis je fais point d'interrogation, RGB. Et puis, je fais 0, 32, 96. Il va me sortir le code. Le code qui s'affiche ici, je copie le code de la couleur qu'il faut. Et puis, je m'en vais dans ça. Je viens ici, je vais changer la couleur propriété. Je sélectionne tout, le backcolor, c'est ça. Et puis, je paste, sélectionne ailleurs. OK, good. On a la même couleur. Donc, ici, le spindle, je vais le mettre en blanc. En blanc. OK, good. Donc, on a tout ce qu'il faut. De l'autre côté, je veux que le maximum et le minimum de mon spinner soient exactement égaux au maximum et le minimum de l'autre. Comment il faut faire? Comment il faut faire? Il faut aller dans, on va aller dans l'objet développeur, toujours dans l'objet développeur, dans dashboard, mais on va prendre lorsque la feuille est active, on va prendre scroller. Bon, on peut nommer le scroller. On va essayer de le nommer d'abord avant de l'utiliser. Propriété. Yes, scroll. OK. Vous avez scroll à l'année, en fait. Je prends ça. Je prends ça et puis et puis ici, je vais nommer celui-ci là. On peut aussi nommer aussi celui-ci. On va nommer ça, sélectionner pour le nommer. On va sélectionner panne et puis je vais le nommer lui. Graphique. Hein. Non, non, c'est ça, graphique one. Et je le nomme start. Start. OK, good. Donc, il y a scroll et puis start. Donc, je viens ici. Je dis scroll. Masse, lui, il va prendre 10 work, j'écris 10 workbook, point sheet, et puis je prends, là où j'ai défini mon truc, c'est dans le setting. Dans le setting, et puis vous rappelez que dans setting, j'ai défini le range, qui s'appelle hier masse, hier underscore masse, et puis fermer, et puis value, dot value. Donc, je vais le donner la valeur maximum à sa scroller. Donc, quand le scroller, mon hier scroll, s'affiche automatiquement, il va capturer la valeur maximale de ça. Le min aussi, je fais hier min, je fais la même chose. Je suis sûr que c'est comme ça le champ. Donc, pour vérifier, pour qu'il n'y a pas d'erreur, je viens ici vérifier. C'est comme ça que j'ai défini mes chemins. Le min, c'est avec M majuscule. OK, good. Donc, je reviens ici, c'est avec M majuscule. M et puis M majuscule. OK. Donc, la première valeur est bien définie. Première valeur est bien définie. Donc, je m'en vais ici. OK, j'ai défini. Maintenant, je vais associer le lien dans ça. Et puis, mon lien, c'était quoi? Donc, le lien, c'est quoi? C'est year current. Year current. Donc, je m'en vais ici. Propriété. Linked, lier la cellule, linked cell, donc year current. Donc year current, c'est beau. Donc si je définis, si je vous allez voir que ici automatiquement
Si je viens dans Objet développé, quand je clique, mon année, ça doit bouger. Ça doit bouger. Donc, ici, ça, j'arrive à bouger. Maintenant, l'autre qu'on veut faire, on veut le rendre dynamique. Donc, le rendre dynamique, il n'y a pas de données pour 2021. C'est pour cela que ça fait ça. Donc, on a ça. Donc, il n'y a pas de données pour 2021. Il n'y a pas de données pour 2021. C'est pour cela que ça fait ça. Et de plus aussi que je n'ai pas mis ça, le truc actif. Donc, quand je reviens, tout serait beau. Donc, quand je viens ici, j'ai dit que Active File. Donc, dans Actif, OK. Donc, ça devait débugger. Setting, range maximum, OK. Donc, parce que ce n'est pas. Oh, OK, c'est ça que je dis, on active. C'est active que c'est là. C'est on active que je dois le mettre. Ce n'est pas on change. On active, ça ne marche pas. C'est on change que ça doit marcher. OK. Donc, c'est beau. Donc, on vient ici, on revient. Il me dit quoi? Here, range setting, this worship setting value. OK. Donc, pour éviter cette histoire-là, je fais on error, resume, next. Donc, après, je refais ça. Bon, l'erreur ne va plus s'afficher. Et puis, il va me définir la valeur. OK. Good. Le OK. Liemin. Ah, OK. Il y a un petit souci ici. C'est hier. Ah, OK. Parce que j'ai mis défini cette histoire ici. Désolé. J'avais mis un truc ici. Désolé. Qui a changé la valeur de la valeur qui est là-bas. Désolé. Donc, on reprend ici. Tout est correct. Donc, c'est bon. Tout est correct. Donc, on a. Le masse, le min, le masse, le min. Okay. Donc, tout est beau. Donc, maintenant, comment on va le faire en dynamique quand je vais. Donc, tout est beau. Donc, maintenant, comment on va le faire en dynamique quand je vais cliquer sur ce bouton-là? Comment ça va être, ça va bouger de façon dynamique? Je commence à bouger de façon dynamique. Donc, c'est très simple. C'est très simple pour le faire. On vient ici. Je vais insérer une macro. Je vais insérer un module. Un module, je vais dire sub dynamique. Dynamic Timer. OK. Dans mon sub Dynamic Timer, qu'est-ce que je fais? Je déclare dim pause time. Dim non, pause time, start time. Start time. Et puis, start time, pause time, start time. Et puis, je peux déclarer current. Current Y et puis masse V. Ça veut dire current year, masse year, min. Bon, il y a besoin de. Je peux définir min year aussi. Hein. Min year. OK, good. Tout est beau. OK. Donc, la première initialisation. Je veux prendre le current, va prendre la valeur de min. Donc, le current va prendre la valeur de min. Donc, je prends current égal à 10 work book sheet. Et puis, le current va prendre la valeur de min 10 work sheet. Le sheet, c'est setting.
Et puis, je fais range. Yeah. Me. Dot value. Donc, je prends ça et l'autre initialisation. Donc, j'ai pris le minimum. Donc, je vais chercher mon masse, le masse que je vais définir. Masse hier, ici, c'est, je prends la même chose, égale à ça. Donc, on va voir. Et puis, masse. OK. Tout est beau. Mini hier, masse hier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un do while. Un do while. Tant que le current hier, le current hier est supérieur. Le current hier est inférieur ou égal à quoi? À min hier. À, comment on appelle? À masse hier, pardon. À masse hier, on fait loop. On finit un do while toujours par loop. Quand je fais ça, je fais pause time. Pause time égale à 1. Le 1 ici, c'est la durée de la pause. Donc, ça, c'est en minutes. En minutes. Donc, si tu as en secondes, pardon, la durée de la pause en secondes. Donc, soit tu veux faire la 2 secondes, 3 secondes, tu mets la durée de la pause. Stats. Ce qui est important ici, c'est le stats. Time. Lui va prendre le timer de ton ordinateur. Le temps, le timer de ton ordinateur, il va convertir en secondes et c'est ça qui va commencer l'incrémentation. Donc, au moment où on appuie sur le bouton Start, il prend le timer de ton ordinateur. OK, good. Donc là, quand on fait ça, il faut maintenant affecter à maintenant à Year Current. J'affecte la valeur de Year Current. J'affecte cette valeur, la valeur de current year. Quand je fais affecte cette valeur, c'est beau. Je fais do while. Je fais un autre do while. Là, je dis que la condition, c'est quoi? Quand mon timer est inférieur à start time, please. Plus pause time. Quand la condition sera inférieure, alors il y a le fait avec do events. Je fais do events. Donc, il continue, il incrémente mon time. Et celui-ci fait, il stoppe tous les autres process. Et puis, il arrive. Après, je fais ici, j'incrémente mon current, qui est égal à current. Mon current plus, plus one, plus un. Donc, et puis, bon, je vais essayer de mettre. On va d'abord mettre ça. S'il y a des bobos d'erreur, on va mettre on error résume ici pour que ça. Bon, on va mettre ça en error résume. OK. Donc, je copie celui-ci. Donc, le truc ici, c'est quoi? C'est très simple. Donc, cette ligne de code, là, c'est ça qui va mettre mon truc dynamique. Le code, je vais réexpliquer le code encore. Je vais essayer d'édenter mon code. OK. Édenter mon code. OK. Je vais édenter un peu pour que ça soit visible, ça soit lisible à lire. Current, c'est, tu vois. Current ici. OK, good. OK. Good. Donc, édenter ici pour que
Ça sera les Ibali. OK. OK. Bon. On va le mettre comme ça. OK, good. Donc, j'exprime bien le code. Le code, c'est très simple. Donc, l'initialisation, je prends la valeur minimum, je le mets dans current, je définis la valeur maximum, je dis que tant que la valeur current est inférieure à la valeur maximum, de m'incrémenter ça jusqu'à ce que je sorte de ma boucle. Voilà. Et je vais prendre cette macro-là. Je viens dans ça, je clique sur mon stats, je dis affecter, assigner macro, dynamique, et puis je dis OK. En principe, ça devait marcher. Et ça commence. En principe, ça devait marcher. Et OK. Donc, on a nos valeurs, nos valeurs. OK. C'est bon. Donc, on a nos valeurs qui donnent très bien la source de données. On a ça, le masse, c'est bon. Le min, c'est bon. Et je définis le min, c'est bon. Le masse, c'est bon. Et tout est beau. Et ici aussi, on a vu que on peut aussi conditionner les, comment on appelle, l'année ici, mais on peut aussi le faire de cette façon. Donc, c'est bon. Donc, du coup, vous pouvez rendre ça, envoyer ça à votre directeur. Voilà mon petit diagramme qu'on a fait qui montre les informations qu'on a besoin. Bon, pour finir, vous pouvez dire que vous pouvez insérer votre logo, logo de votre société. Moi, je vais prendre mon logo ici, je le mets ici, et puis je l'ai inséré après. Non, non. Ok, c'est où ça? Ok. Je l'ai inséré, et puis je diminue. Ok. On réduit la taille. Ok, good. Donc, j'ai mon logo. Je peux aussi de mettre un bleu ciel. Un bleu ciel quelque part ici pour bien définir que A. Ah. Donc, je peux. C'est bon. Donc, on a fini notre. Voilà. Les années, pour les années, il n'y a pas de données. Donc, c'est pour cela que c'est blanc. Ça commence à 76, 77. Donc, on peut essayer aussi. On peut essayer de montrer, de conditionner aussi l'année. OK, c'est bon. Donc, on vient de finir. Si vous aimez la vidéo du début à la fin, mettez votre pouce et vous allez voir d'autres, comment on appelle? Exactement. Donc, vous allez voir d'autres vidéos que je vais mettre. Plus il y a plus de souscriptions. Il y a beaucoup de vidéos que je peux faire comme ça pour pouvoir montrer des astuces sur Excel. Et bientôt, je montrerai aussi les astuces sur, comment on appelle, sur R.